Bienvenue à l'atelier pour cette nouvelle saison. Le temps se rafraîchit au dehors. C'est l'annonce de bons chocolats chauds, de plaids cosy et de soirées au coin du feu. C'est aussi le parfait moment pour réaliser des cadeaux pour nos proches. Aujourd'hui, je vous propose de créer ensemble une poupée anthropomorphe, gardienne des rêves, mi-humaine, mi-animale. Nous aurons besoin de chutes de tissu, de fils et de bourre pour le rembourrage. J'aimerais partir sur un oiseau pour ma nièce Uma. J'aime sa symbolique de liberté, d'affranchissement des codes, sans limite, capable de prendre de la hauteur face à n'importe quelle situation. Pour les teintes, j'imagine des couleurs naturelles, liées à la terre et aux forêts. Maintenant que notre dessin est validé, passons à la réalisation du patron. Nous allons commencer par réaliser notre modèle à plat. Dans le cas d'un chat par exemple, on peut tout à fait imaginer une tête toute ronde, deux oreilles pointues et des bras et des jambes directement reliés au corps. On peut partir sur quelque chose de plus complexe, mais attention, la 3D apporte énormément de difficultés car il va falloir non seulement imaginer les pièces à plat, mais également les assemblages. Pour ma part, j'ai fait simple, j'ai décidé de réaliser les deux côtés de mon oiseau et de venir par la suite rajouter deux jambes et deux ailes. Il faut garder en tête lors du traçage qu'il vous faudra des marges de couture pour l'assemblage. Je vous conseille également d'éviter les espaces trop étroits comme le cou qui seront difficiles à remplir de bourre. Ma base est prête. Je rajoute des ailes et de longues jambes pour aller danser. Comme à l'accoutumée, le pin s'est installé juste sur le tissu que je prévoyais d'utiliser. Et j'ai quand même mis un moment avant de pouvoir l'en déloger. Voici le corps de notre future poupée. Je vous conseille d'utiliser un tissu assez résistant et au tissage assez fin pour ne pas risquer de voir les coutures se défaire à la moindre manipulation. C'est aussi le moment idéal pour ajouter quelques détails, que ce soit en peinture ou en broderie.
Je viens maintenant placer mes pièces endroit contre endroit et je vais coudre tout autour. Vous pouvez évidemment faire cette étape à la machine à coudre, mais vous pouvez également le réaliser à la main en faisant de petits points arrière au fil polyester. Prenez votre temps car c'est le moment où vous pouvez infuser toute votre magie dans votre création. Pensez à réserver une ouverture pour pouvoir retourner votre ouvrage. Et voilà, je vais pouvoir terminer mon assemblage et passer à la partie que je préfère, le design des vêtements. La tenue que vous allez créer pour votre poupée va raconter son histoire. Qui est-elle? Que fait-elle? Est-ce que ce sera une tenue d'exploratrice, un tablier de jardinage ou encore une tenue de pirate? À vous de décider quelles seront ses aventures. Les parents d'Ouma aiment la nature et jardiner, et ils construisent également leur maison de leurs propres mains. J'ai donc décidé de partir sur un tablier avec de grandes poches pour ranger de quoi bricoler. C'est le moment de rajouter quelques petits accessoires, des perles, des breloques. Ouma est encore petite et je ne voudrais pas qu'elle risque d'avaler de petits détails, donc je ne vais rien rajouter. Mais si celui ou celle pour qui vous avez confectionné la poupée est assez grand, n'hésitez pas, cela rajoutera à l'histoire que vous voulez raconter. Et si on lui rajoutait un petit quelque chose ? Je n'ai pas vu l'heure, je suis attendue ailleurs. Mais je reviens bientôt pour une future création. En attendant, je vous souhaite une bonne réalisation et une semaine pleine de douceur. Si vous voulez encore un peu de magie, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, Grisette avec deux i, ou aller voir une autre de mes vidéos. À bientôt !